Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on lance le concours numéro 5, mais avant de se pencher dans le règlement, les trucs chiants, et tout ce qui gâche un petit peu le côté fun du concours, on va d'abord se faire plaisir en grattant ces deux tickets. Se faire plaisir, c'est un bien grand mot. Ce que j'entends par là, ce serait de décrocher au minimum 100 balles avec un de ces deux tickets. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous devez vous dire: ah, mais il a perdu la boule, le mec. Et voilà, l'autre, il arrive même pas à décrocher 2 balles, mort de rire, loser. Heureusement pour moi, je suis encore pas complètement cinglé et je suis bien conscient que si je décroche déjà un 20 ou 50 balles, je serais déjà au bord du bar. Mais ce qui me ferait vraiment kiffer, et là je suis pas gourmand par rapport à la somme indiquée ici, c'est un nombre à 3 zéros derrière le premier chiffre. Dans le genre... Mais ça se passe dans un autre univers. Allez, on reste optimiste et on regarde ces tickets de plus près. Dans ces tickets, on a le Super Mago qui coûte 8 francs et qui peut nous rapporter jusqu'à 100 000. Et de l'autre côté, on a le Maxi Mago qui coûte 12 francs et qui peut nous rapporter, lui par contre, jusqu'à 250 000. Ça n'a rien à voir avec des nouveaux tickets, c'est simplement une nouvelle série. Le Mago, le Super Mago ainsi que le Maxi Mago existent déjà depuis un petit moment. Ils ont simplement changé le design. Et je dois dire qu'ils ne sont pas beaucoup cassés le cul. Mais bon, on s'en fout un petit peu, ils seraient en noir et blanc, que ça changerait rien. Ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout les gains qui sont en dessous. Alors, on va commencer directement avec le Super Mago. Les numéros sont ici. Allez, c'est parti. Avec le numéro 28. Pas de numéro 28, numéro suivant, le numéro 20, on en a un ici dans la première roue, dans la roue du milieu, et c'est tout. Mais je dirais que c'est déjà pas mal. Le numéro 6, aucun numéro 6, le numéro 58, dans la roue du milieu, on continue avec le 45, on en a un là, et c'est tout pour le 45. On enchaîne avec le numéro 10, un petit 10 ici, et on attaque la deuxième ligne avec le numéro 18, pas d'autre numéro 18, le numéro 8 dans la roue du milieu. Alors la roue du milieu, on en a déjà fait 3, il nous reste plus que 2 numéros à découvrir. On continue avec le numéro 27, on enchaîne avec le 46, pas de 46, le 48, un petit 48 ici, ouf. Le numéro 97 ou 97, on en a un là et un ici. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais on gratte plutôt pas mal sur ce ticket. Alors, j'espère que ça va continuer. Allez, on enchaîne la troisième ligne avec le 55. On en a un ici, on en a un là, c'est plutôt cool. Le numéro 1, on attaque cette roue. Je préférerais finir celle du milieu. On en a un autre ici. On continue avec le 62. Allez, ah, ça gratte toujours, c'est cool. On attaque cette roue là. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est le numéro 32 pour l'instant, hein. Le 85 ou 85, le 22, et mais on va tout découvrir, le 35, et ben c'est la fête au village. On attaque, je pense, la dernière ligne, on verra si on a une autre dessous. Allez, le 30, avec tout ce que j'ai gratté, ils vont quand même bien me donner un petit gain, c'est pas possible. Le 53, ouais, j'arrête pas. Le 61, ah bah là ça stoppe. Le 57, on reprend, allez, le 4. Et puis, j'espère que c'est pas le dernier numéro. Le 31, parce que tu vois, il me fallait le 32. Non. Le 31, il y en a un ici. Et puis, il y en a nulle part. Alors, s'il y a encore des numéros là-dessous, il me faudrait un 32, parce que là, je gagne sur les deux roues qui sont ici. Un 98 ou 98, ça serait déjà pas mal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres numéros? Ah, voilà. Putain, j'y crois pas. Ah, là, comme ils m'ont fait baver jusqu'au bout, quoi. Bon, allez, on passe directement au deuxième ticket. Je vais essayer d'oublier celui-là. Alors, c'est parti pour ce Maxi Mago, en espérant qu'il me fasse un petit peu moins saliver que l'autre et un petit peu plus gagner. Allez, on commence avec le numéro 23 dans la première roue, et on en a aussi un petit ici. On enchaîne avec le 48 dans cette roue-là, et ici aussi. Alors, j'ai l'impression qu'on gratte un petit peu moins. Est-ce que c'est bon signe? D'un autre côté, j'ai gratté que deux numéros. Allez, on enchaîne avec le 24 dans la troisième roue, et c'est tout. Alors, effectivement, ils sont beaucoup moins généreux sur ce ticket. Le numéro 15, ici, et ici. Le numéro 55... carrément inexistant, ok. Le numéro 60. Et les gars. Ah, enfin, un ici, merci. Et puis un petit ici, et c'est tout. Alors, la roue du milieu, par contre, hein, le numéro 16.
un petit ici, le 42. Alors j'espère qu'il y a un petit peu plus de numéros à gratter que dans l'autre ticket, parce que sinon on est mal barré. Le 20, ah on attaque la roue du milieu, eh ben c'est tout pour le 20. Le numéro 91 ou 91, aucun 91. Le numéro 21, et ah, un petit 21 ici, et un autre ici. Numéro 82 ou 82, c'est un petit peu comme dans l'autre, on est en train de gratter sur toutes les roues et ça va rien nous donner. Eh ben, il n'y en a qu'un. Le 93 ou 93, il n'y en a pas. Non, mais c'est pas sérieux, ça. Allez, j'enchaîne. 78 ou 78. Non, mais... Ah, pardon. Voilà. Le 80. Ouais, là, je commençais franchement ici. Et c'est tout. Ouais, ben, ce ticket, il me fait un petit peu flipper, quoi. Bon, le 47. Celui de tout à l'heure, on avait tout gratté et rien gagné. Bon, là, on gratte pas grand-chose, mais c'est pas ce qui va nous faire gagner aussi. Le numéro 2, dans la dernière roue. Et la roue du milieu, ben, on n'y a touché qu'une fois. Hein. Fin de la troisième ligne, j'espère qu'il y en aura au moins 6. Numéro 38. Oh le gag. J'attaque une autre ligne avec le numéro 45. Ah, on touche à ses trous. Super. Numéro 25. Alors là, ça nous ouvre un gain possible si on décroche le numéro 47. Ainsi qu'ici, si on décroche aussi le numéro 28. C'est plutôt cool. Allez, le numéro 37. Ben, j'avais dit le 47, forcément. Eh ben, pas de numéro 37. Numéro 75 ou 75. Dans la roue du milieu, enfin. Et ce sera tout. Numéro 18. Ah, on a un autre gain possible avec le numéro 61. Et on touche de nouveau à la roue du milieu. Et le numéro 30 qui n'existe pas sur ce ticket. Et en fait, je viens de me percevoir que j'ai le numéro 47 ici. Donc, j'ai déjà un gain. Waouh, alors ça, c'est plutôt cool. Allez, on le découvrira après, et on continue directement avec le numéro 4. Il faut que je me réveille un peu. Bon, des numéros 4, là, j'en vois pas. Ensuite, on enchaîne avec le 28, et... Oh là là, j'ai un deuxième gain ici. Waouh, alors là, c'est quand même assez phénoménal. Et j'ai encore des numéros à découvrir. Bon. Alors, on continue, le 79 ou le 79. Waouh, la roue ici, et je crois bien que c'est tout pour le 79. Allez, on enchaîne. Le 69, alors ils m'ont pas mis de 69 dans ce ticket. Le 61, alors 61, j'en ai un ici, j'en ai un ici. Alors, bah ouais, bah du coup, ça me fait encore un troisième gain. Waouh, mais ça, c'est incroyable, là. Il est truqué ce ticket ou quoi? Ah, j'y crois pas, trois gains sur le même ticket. Et on a encore de quoi gratter. Alors, on continue, le 72 ou le 72. Bon, bah, hey, s'il me découvre toutes les roues, alors là, moi, je veux bien. Hein. Du coup, j'ai oublié de gratter le 61 ici. Mais le 4 aussi ici. Non, mais attends, ça fait 4 gains. Waouh. Alors là, j'hallucine complet, là. C'est pas possible. Et du coup, j'étais à quel numéro? Là, je suis complètement paumé. Alors, 72, 72. Alors, 72. J'avais pas le 68, hein, déjà. Non, au cas où. Alors, non, mais c'est incroyable, ça. 72, 72. Alors, c'est sûr, j'en ai pas d'autres. Ah, j'ai encore des numéros. 89 ou 89. Donc, ici. Ici. Donc, du coup, si je découvre un 34, eh ben, je suis bon. Et puis j'en ai un aussi ici. Waouh. La loterie suisse romande aurait-elle entendu mes longs cris de douleur? Alors, on continue. 89, je sais plus où j'en suis. Le 34! Non! Le 34, j'ai encore un gain ici. Waouh, mais c'est pas possible. Et 34, et j'en découvre un là. Oh. Alors là, il me faudrait le 94 ou le 94. Ah, c'est pas, j'y crois pas, quoi. Alors, je continue avec le 59. Le 59. Je suis un peu paumé, du coup, le 59. Et pourtant, il reste plus grand-chose à gratter, hein. Alors, 59, pas de 59. Allez, 85 ou 85. Eh ben non, le 94. Non mais, wow. Le 94, c'est ici. Alors là, et j'en ai un ici. Mon Dieu. Est-ce que j'en ai un autre? Non, c'est déjà pas mal. Alors, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gains. Et il me faudrait un 41 pour la roue du milieu. Alors, à moins qu'il y ait encore des chiffres là-dessous, mais... Et un 98. Alors, 98 ou 98. Non, celui-là, il n'existe pas. Alors, est-ce que j'en ai encore en dessous? Non, ils m'en ont pas remis. Mais là, je dois dire qu'ils sont plutôt cool, hein. Alors, on va découvrir le premier gain. Alors, le premier gain, c'est parti. Merde, qu'est-ce que je raconte? 68, je l'ai pas, hein. Non. Non, alors, 68, je l'avais pas, là, je délire. Donc, le 50 000, pardon, hein, je me suis trompé, putain. Ouais, je suis un petit peu à l'ouest. Alors, je découvre réellement le premier gain, qui est de 8. Bon, ok, on s'affole pas. On continue. Deuxième gain, 8 aussi. Ça fait 16. Bon, ok. Quatrième gain, 8 aussi. Oh, ils vont me donner autre chose que des 8, là. Alors, 8 et 8, 16 et 8. Donc, ça me fait 24.
On enchaîne avec ce gain-là. 10, ça me fait 34. Et 8, 42. Et le dernier gain, 50. Alors là, j'en reviens pas. Dommage pour le gain à 50 000, mais bon, j'ai quand même fait 50 balles. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je sais même pas si ça m'était déjà arrivé, en fait. Mais en tout cas, c'est cool. Bon, maintenant, on passe au concours. Comme la dernière fois, c'était un petit peu le bordel avec les numéros, on va changer un petit peu les règles. Pour participer, comme je l'avais précisé dans la dernière vidéo qui s'affiche ici, il faut être abonné. Mais abonné au moment où la vidéo sortira. C'est-à-dire que si vous vous abonnez pendant la vidéo, votre participation ne sera pas prise en compte. Pour les gens concernés donc, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire un commentaire sous la vidéo, en mettant ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre « je participe »,« j'en suis », »,« je veux gagner ». Vous pouvez très bien commenter la vidéo, ça suffira. Et puis, si on est moins de 90 ou de 90, à ce moment-là, je prendrai la méthode que j'ai fait dans le dernier tirage au sort. Mais par contre, c'est moi qui vous attribuerai les numéros. Comment je vais m'y prendre? Tout simplement, le premier commentaire aura le numéro 1, deuxième commentaire numéro 2, 3, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple et on se prend moins la tête. Surtout moi. Ensuite, si on dépasse ce chiffre, à ce moment-là, j'ai trouvé un petit logiciel de tirage qui prend les commentaires en compte et qui donc tirera au sort une personne au hasard parmi les commentaires qui ont été mis sous la vidéo. Évidemment, je répondrai à aucun commentaire, sinon je serai aussi pris en compte dans le tirage. Mais ils seront tous validés de la façon habituelle. Pour les lots, ce sera comme d'habitude des tickets à gratter, FDJ ou Loterie Suisse Romande. Et puis, une petite surprise que je vous rajoute qui vous fera plaisir ou pas, peut-être à certains d'entre vous, on verra bien. Voilà, j'espère que tout ça est clair. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, celle du tirage au sort ou autre chose, on verra bien. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!